Dina ni Joël ni ko garde malade a pa hôpital général à référence à Kabondo na chunga mama muzazi c'est mieux mutu akufe ke non na kosa makuta ya kuuza dawa et non ke mutu anakufa uko na makuta na kosa dawa to zalia à hôpital à référence ya Kabondo to ye pona mwana na ngapo mwana bela ka mikolonyoso aza diabétique na gastrite au moins na age à bandaki na age à 12 ans ça comme na ngona 13 ndeto yaka na référence po awande ba traita kai biso to saka po awa lere to yaka wa surtout ba kisi mususu mingi na niveau ana mususu ezwa makao surtout liboso sikoyo nde to baniko somba esiline e comme esiline na to saki ko somba te il faut to kina ko lukangona ba pharmacie mususu ya libanda sikomba loto kotiawa esiline ona to bandiko somba batia ngwao de to bandiko somba bakisi mususu nyoso to somba kango kakawa na kati na pharmacie ba kopesa ordonnance pe to sombi yango kakawa bazako traiter mwana. Le système national d'approvisionnement en médicaments a une longue histoire et cette histoire commence à l'époque belge pendant la colonisation et elle commence avec ce bâtiment qui est en face de nous, qu'on a appelé à l'époque dépôt central médico-pharmaceutique, qui y avait été construit vers les années 1942, pendant donc la Deuxième Guerre mondiale, pour assurer une plateforme logistique de médicaments pour les armées alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et naturellement, à la fin de la colonisation, eh bien, le ministère de la Santé a récupéré le bâtiment avec le même système qui a été poursuivi, continué jusqu'au vers les années 80, quand malheureusement, à cause de mauvaise gouvernance, eh bien, le système est tombé malheureusement en faillite. Et cette faillite a été aggravée en même temps par les pillages qui sont arrivés vers les années 90. On était obligés d'aller nous approvisionner dans des firmes des Indiens, des Indo-Pakistanais, alors que nous savons qu'il n'y a pas une bonne certification de ces molécules que nous étions en train de manipuler. Et cela nous causait beaucoup de préjudices en termes de décès, mais également en termes de séjours prolongés des malades. Et tirant les leçons du passé, du fait que l'État se retrouvait démuni de pouvoir continuer à subventionner, eh bien, des négociations ou des discussions ont commencé avec notamment des partenaires importants du pays qui interviennent dans le domaine de la santé, en l'occurrence, bien sûr, le gouvernement belge à travers la coopération technique belge. Et ce partenariat a fait qu'on puisse créer au niveau du pays ce qu'on appelle la FEDECAM, c'est une entité privée, mais bien sûr à but non lucratif, à qui l'État a délégué la responsabilité des achats de médicaments. Autrement dit, l'État n'achète plus de médicaments lui-même. Il a confié cette fonction à la FEDECAM, et c'est la FEDECAM qui, au nom de l'État, achète des médicaments. Le système provincial de santé est composé de deux niveaux. Il y a le niveau intermédiaire où vous trouvez la division provinciale de la santé, l'inspection provinciale de la santé, ainsi que les différents programmes qui sont là. Mais à côté de ça, on a des structures d'appui au niveau intermédiaire. Il y a l'hôpital provincial, le laboratoire provincial et la CEDER, qui est le dépôt régional. Et au niveau opérationnel, nous avons les zones de santé. Et en plus des zones de santé, dans les zones de santé, il y a les hôpitaux généraux de référence, il y a des centres de santé, il y a des centres de santé de référence et il y a aussi des postes de santé. Mais en plus de ça, il y a des sites de soins communautaires qui sont aussi opérationnels. Les provinces, si après, ont été appuyées par des projets de gouvernement belge à travers plusieurs projets, CEDER 1, CEDER 2 et actuellement le projet PANC. Enabel nous a appuyés.
en fonds de démarrage, c'est-à-dire en capital médicament, le fonds de roulement de démarrage. Il nous a appuyé en investissement. Et dans l'investissement, je peux citer la construction même du dépôt de la CDR Kamene à Bouamanda. Il faut dire que le personnel a été renforcé en capacité. Les directeurs adjoints de la Kamekis et même moi-même, nous avons été capacités la gestion des approvisionnements. Et le personnel a effectué les stages de perfectionnement au niveau des CDR qui sont considérés comme modèles à SRAMES, au niveau de notre réseau. Et il y a également l'appui en termes logistiques. Lorsque l'État n'a pas pu maintenir son système public, les médicaments ont disparu totalement des hôpitaux. Mais avec les projets qui sont arrivés, ces médicaments ont commencé à revenir dans les hôpitaux. Je ne peux pas dire qu'ils sont revenus à 100%, mais ils sont quand même revenus. Et je pense que c'est peut-être la meilleure personne ou les meilleures personnes qui peuvent vous donner cette réponse. Ce sont les responsables des hôpitaux qui pourront vous dire, avec éléments à l'appui, les résultats que nous pensons bénéfiques, que la population a certainement reçus. Dans ce centre de santé, nous offrons les PMEA. Dans les PMEA, là, nous soignons toute la population en général, les enfants, les adultes et tout le monde. Les cas que nous trouvons souvent dans les centres de santé ici, nous soignons plus les cas de paludisme, les cas de pneumonie simple, les cas de diarrhée, les cas de VIH ainsi que les cas de tuberculose. Nous avons une ligne de crédit dotée par Enabel en 2013. Depuis 2013 jusqu'à ce jour, nous avons une autre ligne de crédit au niveau de la Kamekis donnée par Enabel. Nous faisons les commandes, nous transmissons au niveau de la zone de santé. La zone de santé est transmise au niveau de la province et puis la province transmise au niveau de Kamekis et on nous livre les médicaments. Les commandes là se font mensuellement. La contribution de Enabel a été très importante. Lorsque nous essayons de comparer les différents projets dont le ministère a bénéficié, nous constatons qu'il y a une différence d'abord dans la démarche. Le projet d'Enabel, nous pouvons dire que c'est nous qui les mettons en œuvre. Généralement, lorsqu'il y a des appuis techniques, ces appuis sont au sein du PNAM. Et quand ils sont au sein du PNAM, non seulement ça nous apprend, nous du PNAM, la manière de pouvoir travailler, de recevoir de l'assistance technique que nous mettons en œuvre directement, sans que cela ne soit fait ailleurs. Mais si nous pouvons citer quelques faits saillants, je dirais par exemple, que ce qui reste périn, c'est des bâtiments, ça on le voit. À Kamekis, à Kisangani, on voit vraiment une œuvre qui est utile et qui reste pour la population, et cela pendant plusieurs années. Je citerai aussi le cas de l'appui que la centrale Kamene à Gemena, dans le sud de Bangui, avait reçu pour pouvoir arriver au niveau où ils sont. N'eût été cet appui-là avec... Avec l'absence de ventes que nous connaissons maintenant et qu'on devrait faire tourner le groupe chaque jour, ça nous serait vraiment difficile que cet appui-là de 126 panneaux, de 325 watts par panneau, qui couvre toute la concession ici, les splits, les congélateurs, tout le foie, tout est organisé et tout est géré avec ces panneaux-là. C'est vraiment, ça nous a soulagés et c'est une grande intervention parce que ça a diminué le coût de consommation en carburant. Nous pouvons citer aussi la CDR Kamebasu à Kikwit qui a reçu un appui important pour avoir de beaux entrepôts qui sont actuellement disponibles, permettant d'ailleurs à cette centrale d'amener des médicaments jusque dans les provinces voisines telles que la province du Kasaï. Donc, les projets qui ont été appuyés par Enabel ont été des projets que nous pensons, même s'ils se terminent,
mais il y a une pérennité parce que les gens ont appris à mettre en place de bonnes pratiques. Les gens ont appris à utiliser les bâtiments avec des conditions de bonnes pratiques de stockage adéquates. Nous avons appris à travailler.